Nongeye kubasuza kandi mbashimira kuba muri kumwe nanjye kuri uyu mugoroba bakunzi ba East African Daily aho muri hose nizere ko weekend yabagendekeye neza kuko narembe basezeraniye mu kigano cyane mugoroba cyashize ndagira ngo mbashirireho ikiganiro cya mbashire ikiganiro cya president Tshisekedi ariko ndashyira akaganiro cyangwa se agace kareba u Rwanda gusa aho yavuze kuri ingaboze ni uko zamaze kwibaka mu gihe gisirikare batagitinya ndetse batagitinya intambara ivuye mu Rwanda aho ndetse yanavuze ko adashaka gukupa relation n'u Rwanda kubera gusa umuntu umwe w'umwiyemezi ufite imyumvire yo kwikuza ariko atafitanye ikibazo n'abanyarwanda bose ndetse akavuga ko azakomeza gukorekeza diplomasi kuko nayo irimo gukora adashaka kwizora ahubwo ko bigaragara ashaka kwizora uwo wundi wigize igitangaza umva abumva igifaransa murabyumvira rimwe amagambo yibwite atakakaye uko asanzwe yakoresha noneho ubundi bindetse bigaruka wenda nejo ariko mu mwiyumvire mu magambo yibwite Rien à signaler du côté santé. Le moral un peu affecté évidemment par la situation de l'Est. Hein. On ne peut pas être totalement en pleine possession de sa joie, de ses sentiments de bonheur tant qu'on a, cette épine dans le pied. Mais ça va, dans l'ensemble ça va parce que le moral est bon, le moral de nos troupes à l'Est. Très bien. Est bon aussi. Il y a une montée en puissance de nos forces armées et il y a sûrement de bonnes nouvelles à venir au vu des démarches diplomatiques que nous avons menées et de la situation sur le terrain. Nous commençons par le social. Alors la deuxième thématique qui a beaucoup intéressé notre population, c'est la défense et la sécurité, comme nous ne pouvions pas prendre toutes les questions. Alors, la première, elle dit ceci. En mai 2023, au Botswana, Monsieur le Président, vous avez critiqué ouvertement la force de l'East African Community, l'EAC, à l'exception du contingent burundais. Qu'est-ce qui a motivé le renouvellement du mandat de cette force un mois après le sommet de Bujumbura? Le fait qu'on se soit dit les choses clairement. Critiquer n'est pas rejeter, attention, donc on peut tous se critiquer, on peut me critiquer mon action, ça ne veut pas forcément dire qu'on me rejette, donc vous voyez, il ne faut pas confondre les choses. J'ai critiqué le comportement de cette force uniquement parce que sur le terrain, le contingent ne se comportait pas comme convenu. C'était au moment où le M23 était censé se désengager des localités qu'il occupait pour se regrouper en vue d'aller sur le programme de cantonnement, donc de pré-cantonnement d'abord pour être désarmé, puis cantonnement et ensuite entamer le programme de DDRCS. Et donc j'avais l'impression que c'était lent, qu'il y avait comme des complicités dans les cités où il cohabitait, contingent EAC et M23. Le M23 continuait à se comporter en terrain conquis, il percevait des taxes, c'était inacceptable. Donc j'ai fait cette critique qui a été entendue et je crois que à partir de là, on a décidé de rectifier les lignes. D'un autre côté, il y avait aussi des obligations de notre part, c'est-à-dire qu'il fallait mettre à disposition de l'East African Community un site sur lequel, j'ai parlé du pré-cantonnement, on allait donc effectuer cette opération. Et le site est trouvé, c'est Rumangabo, il faut donc l'équiper, ce qui est en train de se faire, et d'ici peut-être la mi-juillet, tout sera prêt pour accueillir justement ces terroristes du M23, et ensuite on les amènera à Kindu pour les engager dans le programme des DRCS. Alors, à quand le déploiement de la SADC? Et il pose en même temps la question de savoir,
Est-ce que finalement, avec toutes ces forces en présence en RDC, on aura la force de l'EAC, on aura la SADC qui va se déployer, on a tous lu le communiqué. Et puis, est-ce que ça ne mettra pas finalement les pays en danger? Parce que, il ne faut pas l'oublier, il y a d'un autre côté les contingents, les différents contingents de la MONUSCO. Comprenons-nous bien. La SADC, parce que bon, les gens ont vraiment cette habitude de vouloir tout monter comme ça en émotion, etc. La SADC, c'est une organisation à laquelle appartient aussi, à laquelle la RDC est membre. Donc la SADC ne va dépendre, et d'ailleurs c'était l'objet de la réunion de Luanda la dernière, celle de la semaine passée, la SADC ne va dépendre que du go de la République démocratique du Congo pour venir. Et évidemment, il faudrait organiser cette mise en œuvre, il faut lever des moyens. Donc vous comprenez qu'on est encore loin du compte. La SADC n'a pas une date précise, n'a pas décidé. Elle va se mettre, comme ça a été décidé à Luanda récemment, au service ou à la disposition plutôt de la République démocratique du Congo, qui, le moment venu, si elle en a besoin, lèvera cette option. Pour le moment, nous sommes engagés dans le retrait et le cantonnement du M23 pour que nous puissions ramener nos populations dans leur localité et que nous poursuivions le processus électoral, parce que ces populations doivent être enrôlées. La CENI nous rassure que c'est fort possible de le faire. Il n'est pas trop tard. On pourra toujours se rattraper. Donc, rien n'est perdu de ce côté-là. L'essentiel étant d'abord le retrait et le cantonnement du M23. Ensuite, nous verrons. Tout ça, ce sont des questions, des préoccupations des Congolais, je comprends, mais les Congolais doivent apprendre à nous faire confiance. Nous avons jusqu'ici mené à bien ces opérations. Vous avez entendu que les prophètes des malheurs souhaitaient même que Goma tombe. Goma n'est pas tombé et Goma ne tombera pas, ça je peux vous l'assurer. Et même, nous reprendrons toutes ces localités et ramènerons tout le monde à la maison, ainsi que la paix qui sera sauvegardée. Alors, il demande au départ de toutes ces troupes, l'EAC, la SADC, est-ce que finalement les FARDC qui sont habitués à être assistés seront-elles en mesure de bien accomplir leur mission? Je vous ai dit ici que les FARDC sont en train de monter en puissance. Nous allons dans quelques mois terminer la formation de dizaines de milliers de recrues qui vont donc venir renforcer les FARDC pendant que les autres seront peut-être relevés et recyclés, parce que vous savez que l'une des raisons de nos déboires à l'Est, c'est aussi le fait que ces troupes ont trop longtemps été au front, ont connu beaucoup d'émotions, beaucoup de difficultés, certains étaient blessés, certains ont vu les leurs perdre la vie. Tout ça a eu des impacts psychologiques certains et il faut renouveler cela. C'est malheureusement pas ce qui se faisait de tout temps ici. Nous avons pris le problème à bras le corps, nous avons fait des réformes au sein de cette armée. Aujourd'hui, nous avons une loi de programmation qui va pouvoir permettre de venir au chevet de cette armée avec les thérapies qu'il faut pour la relever. Et c'était la question qui finissait en tout cas ces thématiques. Où est-ce qu'on en est justement avec cette loi la loi de programmation militaire dépend de la disponibilisation des ressources. On doit les mettre à la disposition de l'armée. Donc c'est le travail que le gouvernement est en train de faire. Et je vous ai parlé ici de la montée en puissance de cette armée. Ça veut dire qu'il y a des ressources. Mais attention, nous sommes pour le moment en temps de guerre. Donc le programme est un petit peu bouleversé. On ne va pas arrêter de financer la montée en puissance, les équipements, la prise en charge des recrues et leur formation, etc., pour rentrer dans une gestion normale de la chose, c'est-à-dire construction des camps, des hôpitaux, bien d'autres choses, la gestion au quotidien d'une armée. Donc nous devons d'abord faire face à la guerre, la terminer, et ensuite revenir dans le sens normal de ce que nous nous étions convenus. Mais aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que les ressources sont là pour pouvoir parer à toute éventualité. Et c'est ce que nous faisons. On ne devrait pas rompre finalement, mais complètement, nos relations diplomatiques avec le Rwanda. Vous savez, j'ai toujours eu une approche différente de certains de mes compatriotes, que je trouve beaucoup plus... passez-moi l'expression...
peut-être extrémistes, enfin. Mais je comprends leurs sentiments. Il faut toujours faire la part des choses entre le régime Kagame et le peuple rwandais. Absolument. Le peuple rwandais est un peuple frère. Ce peuple restera toujours aux côtés, en tout cas au Rwanda, pays à côté de la RDC. Absolument. Donc, pourquoi rompre les relations avec ce peuple? Ça n'aura aucun sens. D'abord parce qu'il y a déjà des mariages qui se sont faits, il y a des échanges économiques qui se font, commerciaux, qui se font. C'est impossible. Donc, vous le faites, vous condamnez des centaines de milliers, voire peut-être des millions de gens à la famine à cause d'un individu et de son régime. Mm-hmm. Non, je ne crois pas que ce soit la solution, celle de rompre les relations diplomatiques. Je pense simplement que nous devrions continuer à mettre la pression diplomatique sur le régime de Kagame. C'est en train d'ailleurs de fonctionner. Parce que, rappelez-vous, jusqu'au mois de mars passé, on entendait encore des coups de feu sur la ligne de front là-bas. Aujourd'hui, il n'y a plus de coups de feu. Pourtant, ils avaient cette habitude de tirer sur nos positions. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est la preuve que ça marche. Aujourd'hui, il y a des rapports d'experts qui démontrent clairement que les RDF sont au Congo, sont en train d'appuyer cette cohorte de terroristes du M23 et afin de déstabiliser notre pays. Donc, je crois simplement que la diplomatie plus notre propre dissuasion, en préparant nos troupes, parce que les Rwandais, cette armée n'a profité que des faiblesses qui sont les nôtres. C'est pas qu'elle est brave, plus téméraire que la nôtre, rien du tout. C'est simplement parce que notre armée était minée à cause justement de ces accords bidons qui se faisaient, faisaient suite à des mixages, brassages, etc., pour permettre justement à l'ennemi d'infiltrer ses espions chez nous, accords que j'ai refusés et que je continuerai toujours de refuser. Donc voilà, la guerre pour moi, en tout cas du point de vue de la République démocratique du Congo, restera la dernière option. Nous comptons encore sur nos partenaires, sur la communauté internationale, pour qu'elle impose au Rwanda des sanctions si celui-ci ne refuse, continue plutôt de refuser de quitter le sol congolais. Et ce n'est que si sanctions il y a et qu'on se rend compte que le Rwanda s'entête, qu'on ne prendrions alors ce moment-là ils disent pourquoi nos responsabilités. Vous vous entêtez à continuer avec la diplomatie en tout temps, même au temps de la crise, au plus fort de la crise. Pourquoi n'est pas carrément structurer notre armée vous et savez, nous faire ainsi respecter? La diplomatie, on ne la rompt jamais, sauf quand vraiment on est en terrain, en no man's land. Mm-hmm. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura la diplomatie. Même aujourd'hui, entre Ukrainiens et Russes, la diplomatie, même de l'ombre soit-elle, existe. Absolument. Donc on ne rompt jamais la diplomatie. Je ne veux pas m'isoler aujourd'hui à cause d'un délire hégémonique de Kagame. Donc moi, je continue de croire en la force de notre diplomatie. Mais maintenant, en plus de la diplomatie, j'ai renforcé les capacités de mon armée. Mm-hmm. Donc je n'ai pas à craindre ce bourreau. Donc le moment venu, s'il n'obtempère pas, nous prendrons nos responsabilités, comme je l'ai dit, mais ça reste la dernière option. La dernière question sur